Bonjour à tous. La tendance reste incertaine à l'ouverture après une semaine négative. Le dossier grec continue d'empoisonner l'actualité. Et dans l'actualité ce matin, Airbus qui exercerait une forte pression sur ses sous-traitants pour les pousser à réduire leurs coûts dans le cadre de la montée en puissance de la production de la famille de monocouloirs A320. Et Pierre-France KLM, les ratios de trafic sont plutôt bien orientés pour le mois de mai. Le transporteur revendique une progression d'1,9% de son trafic passager. Et puis Eurotunnel qui a annoncé hier avoir cédé à contre-cœur sa filiale My Ferry Link au danois DFDS. Les rumeurs se confirment. Saint-Gobain vient d'entamer des négociations exclusives avec le fonds Apollo en vue de lui céder sa filiale d'emballage vert Verallia. L'offre ferme et libellée à près de 3 milliards d'euros et ne comprend pas de conditions de financement. En parallèle, Apollo négocie avec BPI France l'entrée au capital de la banque publique. L'accord pourra être finalisé après les procédures usuelles avec les instances représentatives du personnel. Il devrait être achevé d'ici la fin de l'année. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.